Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes venu en fait à la base? Moi, en tout cas, j'avais envie effectivement de passer plus de temps avec un cheval et voilà, de pouvoir assister à plusieurs choses, que ce soit le fait de s'en occuper, de le voir dans différents contextes de la journée. Enfin, voilà, que ça dure comme ça toute la journée, ça m'a tout de suite plu. Alors moi, c'est que les cours de 1 heure que je fais habituellement en éthologie, je reste toujours sur ma faim, il y a toujours quelque chose qui me manque. Je me suis dit, alors une journée entière, je devrais être satisfaite. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Et du coup, qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui? Moi, j'ai bien aimé quand on a commencé, donc on est allé dans le pré, puis qu'on était avec les chevaux autour de nous et qu'on a pu un peu observer leur façon de venir vers nous. Enfin, ce temps qu'on a pris, ça, c'est vraiment très très sympa. Et puis oui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, on n'a pas autant de temps. Et puis après, bon, dans toute la journée, beaucoup beaucoup de choses, mais peut-être je te laisse Alors, c'est à moi de développer le reste. J'y reviendrai. Bien, moi, c'est pareil, le temps fort, c'était quand les chevaux nous ont choisis. Alors, ça, c'est extrêmement émouvant, enfin, pour moi. Ensuite, tous les à côté, la préparation du cheval, là, on a pris plus de temps. Et ça, c'est bien aussi, parce qu'en général, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a les cours après, il y a d'autres cours après. On ne peut pas traîner, quoi. Là, on a vraiment pris son temps pour toucher le cheval, pour qu'il nous ressente. C'était bien. Il y a une connexion qui s'est faite naturellement, presque enfin, naturellement dans la mesure où, le temps des caresses, de l'effleurement, le fait qu'il accepte qu'on le touche, c'était bien. Ah oui, ça, j'ai bien aimé aussi. Et puis les exercices, toujours à renouveler. On s'aperçoit qu'il y a toujours des petites choses à améliorer, qu'on ne se repositionne pas. Moi, j'ai adoré ce moment-là aussi. Bon, moi, j'ai bien tout aimé. Je ne peux pas dire qu'il y a un moment que j'ai préféré. Même après, je veux dire, c'est tellement, il y a tellement un don de soi à faire. Mais là, j'ai l'impression d'avoir pris plus le temps de le faire, de mieux intégrer mes gestes et ce qu'on me demandait. Voilà. Super. Et qu'est-ce que vous diriez à une personne qui a envie de venir voir les chevaux et tout, mais qui n'ose pas ou qui n'oserait pas s'inscrire à la journée? Oh ben je l'emmène moi. Je lui propose de Il l'emmener, de faut oser, il faut l'accompagner. oser, il Ah faut oui, pas. il faut oser, il faut y aller. Ah oui, si elle a vraiment peur, pour X raisons, je l'emmène, je l'accompagne. Je la remets entre vos mains parce que franchement, on est bien quoi. Oui. C'est un bon accompagnement, on est soutenu de toutes parts, quoi. C'est ça qui est bien. Et puis l'approche du travail à pied, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on connaît beaucoup moins et qui est vraiment très complémentaire avec le fait de monter. C'est vraiment très différent et ça apporte beaucoup, Ah oui, moi vraiment. je dis que le fait de ne pas pouvoir monter, moi je ne peux pas monter, mais le fait de ne pas monter, je ne suis pas frustrée. Avec le travail que je fais à pied, ça ne me frustre pas de ne pas monter. J'ai autant de plaisir à être avec le cheval que si je montais dessus, quoi. Je ne suis pas frustrée. Voilà. Cool. Et bah cool. On n'a pas parlé de la communication animale, Ah ce qu'on a fait un petit peu à la fin, ouais. qui nous a ouvert vraiment Des horizons. un monde inconnu et prometteur, enfin qu'on a envie d'explorer davantage, quoi. Oui, la communication animale, ça m'a scotché. Enfin bon, ça c'est vrai que c'était découverte plus. Et ah oui, c'est. Non, faire une journée entière comme ça au moins, ça c'est plus probant, quoi. Pour faire une activité, je pense que c'est par là qu'on doit commencer, quoi. Pour quelqu'un qui veut commencer, oui, c'est Oui, vraiment super. c'est la meilleure façon. Ok. Et bah top. Merci beaucoup les filles. Eh bien, merci à vous.